Allez, Lynn, je vais être en retard au travail. On a réussi. C'est juste une petite visite médicale chez le vétérinaire, voyons. Je veux pas de piqûre. Oh, Bill, hein? Fais pas ton bébé. On se retrouvera après pour s'éclater comme tous les jours. En attendant, je vais piquer un petit Sam. Ouais, enfin, si je reviens. Pas maintenant, caporal. Joyeux anniversaire, caporal. Miam, 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 miam. Oups, j'avais oublié. Bien sûr que je me souviens de l'anniversaire de mon caporal chéri. Il y a intérêt à avoir des super cadeaux. J'ai d'ailleurs prévu une super fête avec tous tes amis au sous-sol. Reste là, le temps que je finalise la déco. J'ai des amis, moi? Oh, ça va être super. Tu vois, Bill, finalement, c'est pas si mal, les visites médicales. Oh oui, pas de piqûres, pas de médicaments, juste un contrôle et un petit os en récompense. Bravo, Bill est en super forme. Je vous fais un certificat. Ah tiens, mais oui, c'est l'anniversaire de Caroline aujourd'hui. L'anniversaire de Caro? Tu savais ça, maman? Non. Dire qu'on lui a jamais fêté. On verra ça ce soir. Salut, Bull. Noisette, tu devineras jamais ce qu'on vient d'apprendre. C'est l'anniversaire de Caro aujourd'hui. Génial, il faut fêter ça. On va pouvoir rattraper toutes les fêtes manquées. On va lui préparer une méga surprise. Super, je vais prévenir tous les copains. On les voit à la maison. Bill et moi, on pourrait s'occuper du gâteau. Moi, je voudrais lui offrir un cadeau très spécial. Mais quoi? Je sais, je devrais avoir le temps de le préparer. À toutes. Quoi? C'est l'anniversaire de Caroline. On organise une grande fête surprise chez Bill. Une fête pour Caro? Je préviens les copains. Dis, Bill, tu crois qu'on met combien de bougies sur le gâteau de Caro? Ben, comme on n'a jamais fêté son anniversaire... Oh là, c'est difficile, parce que c'est comme si elle était là depuis toujours. Au fait, monsieur, quel âge elle a, Caroline? Caroline, elle a 69 ans. 69 ans? Ça doit être pour ça qu'elle dort tout le temps. Les tortues sont des animaux étonnants. Elles vivent bien plus longtemps que les humains. C'est d'ailleurs un des animaux les plus anciens. Mais alors, elle est hyper vieille. C'est bizarre, elle fait encore du skate. J'ai compris. En fait, Caro fait semblant d'être jeune parce qu'elle veut pas qu'on sache quel âge elle a vraiment. Si c'est vrai, elle va être super vexée si son secret est révélé. Il faut à tout prix annuler la fête. Caporal, c'est prêt. Tu peux descendre. Joyeux anniversaire, caporal. Joyeux anniversaire. C'est ça, mes amis? Joyeux anniversaire, mon caporal. Et mon gâteau? Pâté de foie de morue aux croûtes de fromage. Et mon cadeau? Qui est à la fois gâteau et cadeau. Tada! Ah. Ouf! On est arrivé avant tout le monde. Hé, les amis, regardez ce que je vais faire. Caro, non! Attention, t'aurais pu te faire super mal. J'ai déjà fait bien pire. Oui, oui.
Bah, raison de plus pour se reposer maintenant, hein, Caro? Tu comprends? Mais pourquoi tu pars comme ça, Bill? Le vétérinaire n'a pas bien nettoyé tes oreilles! Et si tu te reposais un peu? Oh? Je vais te préparer une bonne petite tisane de feuilles de salade. Une tisane? Mais je suis pas malade! Et pourquoi tu me regardes comme si j'étais un vieux dinosaure moisi? Quelle idée! On veut juste rendre la vie agréable. Tiens, si on regardait la télé, il y a peut-être un jeu pour entretenir ta mémoire. C'est le pire anniversaire que j'ai jamais eu. Vous êtes souvenu de mon anniversaire. Vous êtes de vrais amis. Surprise! Joyeux anniversaire, copain. C'est aussi l'anniversaire de Caporal. Pour Caporal, hip-hip-hip, hourra! Hip-hip-hip, hourra! 69 ans! Chut! Je savais pas que c'était ton anniversaire. Comme j'ai pas préparé le cadeau, je vais t'offrir un gros câlin. C'est pas obligé, hein. Ben alors, vous avez commencé la fête sans moi? Tiens, c'est pour ton anniversaire, Caporal. Un cadeau pour moi? Oh. Vous êtes sûr? Oh, merci, qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture? Peinture pour Carabeu, poil de chat. Oui. Oh, la chance! C'est ma couleur préférée. Tu veux l'essayer? Hein? Tout va bien, Caro? Tu veux pas un petit coussin pour te reposer un peu? Non, je veux pas y aller! Allez, Caporal, fais pas ton bébé! Caporal, ça te va? Super bien! On dirait une fleur? C'est l'attention qui compte. Surprise! Loulou, merci pour Caporal, c'est super gentil. Encore un cadeau? Je vais y gâter. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, un ballon! Mais non, Caporal, c'est un chou! Quel super cadeau! T'as vu ça, Bill? Il a l'air bien croquant! Incroyable! Mais c'est très mauvais pour ton bug! À ton âge, il faut faire très attention! Hé, hey, faut que tu goûtes, hein! Bon, merci les amis pour cette super fête! Mais oulala, il se fait tard, il va falloir que je rentre! Attendez! Moi aussi, j'ai un cadeau! Joyeux anniversaire, Caporal! T'as vu ça, Caporal? Même Noisette a pensé à ton anniv! Oui? Oh, un cadeau! Quelle chance! Oh, regarde, une photo de tous tes copains! Ah oui, tous les copains! Sauf moi! C'est vraiment super, Caporal! Comme ça, tu penseras à nous tout le temps! Comme tu dois être content! Salut, les copains! Désolé pour le retard. Tiens, beauté, cadeau. Tiens, beauté, cadeau. La chance! Trop la classe, skate, Caporal. Mais je suis nul en skate. Mais justement, Caro va pouvoir te coacher. Elle a une très longue expérience. Penche-toi plus en avant. Les bras en arrière. Le museau bien droit. Plus facile si tu me laissais faire toute seule. Je vais pas tomber, j'ai l'habitude, tu sais. Félicitations! Tous les grands skateurs ont terminé dans une poubelle un jour ou l'autre. Merci les amis, c'était super. Tu parles avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. L'année prochaine, je resterai cloîtré chez moi. Ah.
On a réussi. Caro n'a rien vu. Surprise! On a acheté un gâteau. À la salade. Bon anniversaire, Caro. Oh, mon anniversaire. Oui, ma Caro. Le vétérinaire nous a dit que c'était ton anniversaire. Mais on a eu peur de te vexer si on le fêtait. Alors on a tout fait pour empêcher la fête surprise. Ah bon? Mais pourquoi je serais vexée? Bah parce que t'es super t'es vieille quoi. Enfin bah oui, on sait que t'as 69 ans. Respect. Ouais, grave respect. Je comprends mieux. Pourquoi Caporal recevait des cadeaux aussi super pour moi? J'espère que t'es pas trop fâchée. Mais pas du tout. Vous savez, les tortues vivent très très longtemps. Alors on ne fête leur anniversaire que tous les 10 ans. Mon vrai En tout cas, ça nous laisse un an pour organiser une super surprise. Peu importe combien t'auras de bougies sur ton gâteau, tout ce qui compte, c'est de rester cool. Exactement. Et quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre petite sœur. Pour Caro, hip-hip-hip, hourra. Alors, c'est moi qui vais le manger, ce gâteau à la salade. Ce midi, gratin de courgettes pour tous. Désolé, Bill, j'ai totalement oublié d'acheter tes croquettes. Pour une fois, tu as droit à de vrais légumes. Il est super son gratin, moi j'adore. Tu sais pas ce que tu perds. Tiens, en parlant de légumes, c'est bon? Délicieux. Un petit bout? Aucun goût. Ben si, un goût de bonne salade bien fraîche. Qu'est-ce qu'il leur trouve à tous ces légumes? Oh, capitaine, vous avez de beaux yeux. Non, caporal, pas question. Tu as déjà mangé. Il faut que tu arrêtes d'avaler tout ce qui te tombe sous les moustaches. Ce poisson est pour moi. Oh, on ne peut jamais être tranquille. Chère madame, bonjour. Vous avez été sélectionnée pour être la première à découvrir cette merveille technologique. J'ai déjà un nain de jardin. Merci, au revoir. Pas n'importe quel nain de jardin. Celui-ci, en plus de sa beauté incontestable, va vous rendre des services inestimables. Cet objet est pour vous, chère madame. Grâce à cette ravissante petite coulée. Voilà, ici, on a tourné, hop, Fiat Lux. On attend que la lumière soit. Oui, c'est ça qu'on va lâcher. C'est juste une lampe de poche, votre truc moche en plus. Non, madame, il n'est pas moche, il est merveilleux. Tenez, regardez. Au revoir. Oh, bah, il est tombé, dis donc. Allez. De faire fuir les importuns et décourager les cambrioleurs. Décourager les importuns, hein? Vous avez raison. Georges. Georges, raccompagne monsieur. Vas-y, Georges, montre-lui ce qu'est un homme jardin, un vrai. Hey, mais c'est fragile, voyons. Bravo, Georges, beau travail. Et maintenant, à table. Hein? Caporal! Caporal! Par ici? Oui, espèce de goinfre! Oh. Tiens donc, ce serait donc cet épouvantable coquère qui aurait chapardé mon poisson? Oh la sale bête! Je vais t'apprendre, moi, à rentrer chez les autres, crapule! Voyou! Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, canaille? Attends un peu que je prévienne tes maîtres. Espèce de vaurien! Scélérat!
Eh, ça va pas? Qu'est-ce que t'as encore fait? Moi, rien. C'est toi qui lui as piqué son poisson. T'es trop gourmand, mon grand. Non, mais j'ai rien volé du tout. Et cette arête-là, devant toi, elle est tombée du ciel, peut-être. Encore un de tes mauvais tours? Tu vas passer un sale quart d'heure. Il... C'est pas le moment de vous disputer. Le gratin est prêt, tu devrais venir le goûter au moins. Pas les courgettes. Plus fin. T'as trop mangé de poisson, il était bon. Je crois que tu vas devoir aller acheter des croquettes dès maintenant. Les légumes et Bill, c'est pas pour aujourd'hui. T'as raison, je vais en chercher et je ramène Bill. Sinon il va bouder toute la journée. Croquettes. Croquettes. Salut. Salut, t'as pas vu Rocket? Le temps que j'éternue et hop, plus de chien. Non, pas vu, je cherche Bill. T'as plus de laisse? J'en ai plus besoin. Il a un nouveau collier connecté avec ma montre. Mais ça a pas l'air de marcher terrible. Tu vas au parc? Ouais. Je vais avec toi, il est peut-être là-bas. Ok, j'espère qu'on va les retrouver. Bill déteste le gratin de courgettes et il y avait que ça à la maison. Il doit être mort de faim, du coup bah je vais acheter ses croquettes préférées. Il est drôlement capricieux, ton chien. Roquette, je lui fais manger des épinards sans problème depuis une semaine. Ça rend super fort et il va être encore plus au top du top. Ouais, mais en attendant d'être au top du top, il s'est échappé, ton champion. Comme le mien. Au revoir, madame. Brioche. Mais qu'est-ce que... Eh, reviens, espèce de voleur! Oh! Ah non, moi j'ai rien fait, là! Oh, tu perds rien pour attendre, toi, petit voleur! J'adore cette journée! Mais j'ai rien volé du tout! C'est Rocket, il est parti par là! Tu peux aboyer tant que tu veux, je t'ai pris sur le fait, fripouille! Tu vas venir avec moi chez tes maîtres et on va s'expliquer! C'est ma fête aujourd'hui. Oh, oh non! Dis donc toi, te gêne surtout pas. T'inquiète pas, je te retrouverai. Je t'ai reconnu. Rocket! Oh, je sais pas où ils sont passés ces deux-là. Bill, c'est pas grave, il a l'habitude de traîner tout seul. Mais Rocket, il a dû se perdre. Il doit être paniqué sans moi dans la ville. Il avait peut-être envie de se faire une petite balade tranquille, sans laisse, ton super toutou connecté. Impossible! Un chien aussi bien dressé que Rocket ne ferait jamais un truc comme ça. Et tu devrais l'éduquer aussi, ton Bill, à commencer par les légumes. Un chien, ça doit obéir à son maître. Rocket! Ici, Rocket! Ok, mon chien! Je suis son maître, mais surtout son copain. Bill! Bill! Attention, attention! Pousse-toi! Des soucis, Bill? Et pas qu'un peu, Caporal m'a fait passer pour un voleur. Boule veut me faire manger des courgettes. Pourquoi? Rocket a piqué une brioche et la boulangère croit que c'est moi. Et maintenant, elle me court après. Des courgettes? Mon pauvre vieux. J'ai 2-3 os à moelle en cas d'urgence. Et là, c'est une urgence, hein. On va chercher Ming et on se fait un petit repas peinard. Ensuite, on s'occupe du reste. Rocket, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Rocket? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh, hey, mais je te connais, toi! T'es bien la copine du petit gars qui a un cocker! Bonjour, oui, Boule. Pourquoi? Son chien vient de me voler une brioche, figure-toi. Tu l'as pas vu passer, par hasard? Une brioche? Non, j'ai vu personne. Mais Bill, c'est pas un voleur. Vous devez vous tromper. Pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Il m'a fait tomber et son copain, le gros chat noir de Madame Stick, s'est mis à manger tous mes sushis. On va les retrouver et ils vont passer un mauvais quart d'heure. Prévenir Boule. Vite. Le v'là. Venez, aidez-moi à attraper ce fourbe. Menteur! Escroc! Tu vas le regretter, ton poisson! Boule! Bill a volé une brioche! Non, Rocket a mangé une brioche et le livreur de sushis, la boulangère. Ils vont attraper Bill et Caporal.
Rocket mangeait une brioche et le livreur de sushi. Impossible, Rocket n'a jamais mordu personne. Bill n'a jamais rien volé, je comprends rien à ton histoire. Respire et raconte. J'étais au parc et j'ai vu Rocket en train de manger une brioche. Tu crois quand même pas que Rocket aurait volé une brioche? Tu sais, avec ce que tu lui donnes à manger, ça serait pas étonnant. Ah ça, il va m'entendre. Non mais manger des brioches. Une semaine d'épinards, ça remplit pas le ventre d'un molosse comme le tien. C'est normal. Il avait faim ton chien, c'est tout. Une semaine? Pauvre Rocket. Moi j'aurais pas tenu 2 jours. On fonce. Bill a besoin de moi. Ensuite on cherchera Rocket, promis. Bill a sûrement dû le croiser. Si, si, votre chien est le chat de Madame Stick, celui qui boulotte tout ce qui traîne. Ouais, on me la fait pas, moi, hein. Il en avait encore plein les pattes de ma brioche, je vous dis. Alors, racontez-moi tout ça calmement. Qui a volé quoi et mangé qui? Quelle erreur! C'est le poisson qui est venu tout seul. Alors, Minou tout moisi, on rigole moins maintenant, hein? Et ta maman, elle est pas là pour te protéger, hein? Ah! C'était une plaisanterie, voyons! Juste pour rigoler! Rigoler? Je vais te faire rigoler, moi! J'adore les plaisanteries! Hé, les gars, ça vous dit de jouer à chat? Et voilà! Celui qui m'a fait tomber! Celui qui a mangé mes sushis! Il faut me la payer, cette brioche, monsieur! C'est pas lui, je vous dis! Bill, c'est pas un voleur! Oh, je l'ai vu de mes yeux! Mais bête de toute! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Piston! C'est pas à vous, ce vaurien, qui traînait chez moi! Rocket! Où t'étais passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brioche? Débrouillez-vous, mais il faut me la payer, cette brioche! Oui, je vous la paye! Je pensais pas que t'avais faim à ce point. Désolée, mes parents m'ont dit que les épinards rendaient costaud. Ce soir, beefsteak, ça te va? À plus tard. Oh, caporal, il faut me rembourser les sushis que votre chat a mangé, madame. Devez pas être bien frais, vos sushis, mon cher. Regardez un peu dans quel état est mon chat. Vous allez entendre parler de la note de mon vétérinaire. Mais attendez. C'est pas grave, Bill. Tu devrais oublier cette histoire de poisson. Regarde, Caporal en a tellement mangé qu'il en est malade. Ah, mon ventre. Tu perds rien pour attendre, toi. Voyons voir ce que les caméras de surveillance ont pu filmer dans la maison ces derniers jours. Hein? Hey Bull, tu savais qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un dans les lignes de sa main? Pff, n'importe quoi. Laisse-moi essayer. Tu vas voir. Là, je vois dans ta main que tu es assis sur un trésor. Ils sont trop ouf, ces humains. Oh, regarde, une pièce. Et maintenant, je vois que tu vas attraper des puces. Elles vont te piquer et ça va te gratter tout partout. Des puces, ça gratte. C'est vraiment vrai? Attends, je vois autre chose. Pour chasser les puces de la maison, il faudra que tu sois courageux et que tu donnes un bon bain à Bill. Un bain? Un bain? Ah, ça non! Pas le bain! Non, 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 Aaron, non! Poisson d'avril, Bill! Ouais, d'accord, c'est quoi cette histoire de poisson? Oh, fais pas cette tête! Aujourd'hui, c'est le 1er avril, le jour où tout le monde peut faire des blagues à ses amis! On te fait marcher depuis le début! C'est moi qui ai mis la pièce de monnaie sous le coussin! Et j'ai fait semblant d'avoir des puces! Attendez, si je comprends bien, les humains ont un jour spécial dans l'année pour faire des blagues aux autres en lisant l'avenir dans les lignes de la main. Et... partez!
tu as un don, comme moi. Tu as aussi un don, toi? Bien sûr. Moi, je sais lire l'avenir dans les lignes de la pâte. Mais oui, c'est ça. Pourquoi pas dans les étoiles, tant qu'on y est? Bon, bah si vous me croyez pas, je vais aller voir ailleurs, tant pis. Non, attends, je veux savoir, moi. D'accord, je vois que tu es... une tortue. Waouh, ça oui, c'est vrai. Je vois que ton meilleur ami est un chien. Caroline, c'est pas écrit dans ta patte, ça. Tout le monde le sait, enfin. Et aujourd'hui, tu vas attraper... un coup de soleil. Oh là là, un coup de soleil. Non. C'est bon, j'ai plus rien à craindre maintenant. Qu'est-ce qu'il lui prend à Caro? Je sais pas du tout. C'est sans doute un de ses nouveaux jeux. Allez, c'est parti, au suivant. Salut Bill, dis, t'as remarqué ma... Hein? Donne ta patte, je vais deviner. Tu viens de sortir du toilettage. Oui, c'est vrai, t'as vu ma nouvelle coupe? J'ai dû rester 3 heures sans bouger, mais ça valait vraiment le coup, non? Mais c'est incroyable comment t'as deviné. C'est simple, j'ai un don, tu vas voir. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que ma patte est sale, je le supporterai pas. Non, ta patte n'est pas sale, par contre ton avenir si. Demain, tu n'auras pas de toilettage. Hein? Quoi? Une journée entière sans toilettage? Mais c'est pas possible! La bonne nouvelle, c'est que ta patte ne dit rien pour aujourd'hui. Tu pourrais y retourner, non? Oui, je pense. Mais j'ai pas rendez-vous. Il faudrait une situation d'urgence. Roule-toi dans le sable. Quand tu seras toute sale, ce sera une situation d'urgence. Ça va pas, non? Tu rêves, hors de question que je me salisse. T'es sûr? Le toilettage ferme dans 1 heure. Allez, loulou. Oh. Mon shampoing. Voilà, c'est bien. Et n'oublie pas derrière les oreilles. Mais elle est devenue zinzin ou quoi, loulou? Petit chaton profite d'un moment détente sans sa maîtresse. Que dirais-tu d'un gentil doudou pour évacuer le stress? Loulou, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas le temps de... Bon, elle est d'accord. Mais dans ce cas, pas de toilettage demain. C'est exactement ce que Bill avait prédit. Il est trop fort. Je vais attraper un coup de soleil. Hé, Bill! C'est quoi cette histoire de... Oh, waouh! Je vois que Pouf va te donner un truc super bon à manger. Enfin, si tu lui fais un gros câlin. Un câlin? Non, c'est pas question, hein. Les câlins sont comme des œufs à moelle. Très rares et très chers. Bah, peut-être que je vais faire une exception. Hé, mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Oh, dis donc, il t'aime bien. C'est la première fois que je le vois aussi affectueux. Oui, tu as la cote, Pouf. Oui, c'est bien, mais arrête maintenant, d'accord? Parce que sinon, tu vas me faire tomber. Mais ma place. Non. Non, mais j'y crois pas, c'est vraiment arrivé. C'est trop fort, les blagues du 1er avril. Hé, Bill, tu viens avec moi? Tu devrais attendre un peu, je sens qu'il va y avoir du spectacle. Et pas de toilettage demain, n'oublie pas, hein. Pas de toilettage demain, pas de toilettage demain.
pas de toilettage demain. Je peux pas me passer de toilettage. Faut absolument que j'y retourne tout de suite. Mais elle est complètement ouf. Et comment tu savais qu'il allait y avoir du spectacle? Bah, je peux prédire l'avenir, regarde. Oh, par mes oreilles, Caporal va te griffer les fesses. Caporal! Alors, tu veux me griffer les fesses, à ce qu'il paraît? Ça va arriver, ça va arriver. Hein? Salut, Caporal! Belle journée, hein? Désolé, mon pote, je crois que ta prédiction n'arrivera pas, finalement. Ouais, mais ça serait arrivé si Robin n'avait pas tout gâché. Oh, la glace, c'est plus froid que ce que je pensais. T'as vu, j'ai attrapé un rhume. Et moi, ma maîtresse a refusé de s'occuper de moi une troisième fois. Bill, il faut que tu leur dises maintenant. Nous dire quoi? Poisson d'avril. C'est parce que le 1er avril, les humains se font des blagues. Les lignes de la pâte, et vous y avez vraiment cru, c'est trop fort. Attends, ça veut dire que je me suis salie comme ça pour rien du tout? C'est pas juste. En plus, la journée des blagues est déjà finie. On peut plus rien faire, nous. Mais si, au contraire. Blaguera bien qui blaguera le dernier. Écoutez. Robin, un problème? Non, non. Mais j'ai découvert qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un en regardant ses yeux. Bien essayé, mais c'était hier, le 1er avril. Oui, je sais, mais justement, c'est pas une blague. Ouais, c'est logique, mais bon, par contre, c'est quand même un peu bizarre que tu aies le même don que moi. Mais c'est pas un don. Tout le monde peut le faire. Viens, je vais te montrer. Je vois que Ming va bientôt passer devant chez nous en skateboard. Quoi? Arrête, Caro, je sais que tu me fais marcher. Je vois que quelque chose va venir du ciel et tomber directement sur ta truffe. Oui, nom d'un os à moelle, c'était vrai. Quoi? Je veux savoir ce qui va m'arriver, Caro. Désolée, Bill, j'ai vu que papa allait te forcer à prendre un bain. Un bain? Comment ça, un bain? Non, je veux pas, faut que je me cache. Bill, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as tout gagné, direction le bain. Oh non, pas le bain, tout sauf le bain. Et moi un bain. Voici la ville. Ben oui, le mois d'avril, c'est pas fini. Les humains font des blagues juste le premier jour, pas nous. Vous m'avez bien eu, les copains. Je vous demande pardon de vous avoir fait marcher. Il reste un peu d'eau dans ton bain, hein? Je peux y aller. Si tu te dépêches, elle sera encore toute chaude. Ah, génial. De l'eau chaude. Les copains, j'ai une super idée. On recommence demain, mais cette fois, les blagues, on les fait à boule. Ouais. Caro, t'es trop fort.
de voir le trou de la balle. Oh, une bonne sieste bien au calme. Qu'est-ce qui se passe? Un interrogatoire? C'est pas moi qui ai mangé les sardines, c'est elles qui ont sauté dans ma bouche! Du calme, caporal. J'ai équipé Georges de rayons ultraviolets pour pouvoir bronzer tranquille ici, sans les regards indiscrets des voisins. Sauf que moi, je veux pas bronzer, je veux dormir. Tu ne sais pas ce que tu loupes. Et maintenant, une bonne sieste bronzante. Et hop, et hop, et hop. Bill, tu fais la passe. Ça fait 2 heures que tu squattes le ballon. C'est malin, ça. On peut plus jouer maintenant. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui vas la chercher. Tu vas me payer ça, chien débile. C'est bon, j'y vais. C'est que pour les chiens. Tu auras l'hoquet toute ta vie. Des rayons pour donner le hoquet au chien. Mais c'est horrible! Il faut qu'on l'empêche de continuer. Je sais, je vais le dire à Boule avec des mimes. Bill est en train d'essayer de nous dire ce qui s'est passé. Un chapeau pointu? Madame Stick, il y avait une fête d'anniversaire chez elle? Non, j'ai compris, il imite Georges. Georges tenait une paire de jumelles. Oh, j'y arriverai pas. Eh ben, t'as qu'à leur dessiner. Super idée, bravo Caro. Espèce de gnomapile, prends bien ou je serai privé de croquettes. Mais tu vas t'arrêter, espèce de bidule dégénérée. George. Oh.
dans le bureau de papa, avec plein de remèdes contre le hoquet. Remède numéro 1, retenir sa respiration le plus longtemps possible. Laisse-moi deviner, t'as mangé des croquettes au saumon, toi, non? Alors, ça a marché? Remède numéro 2, boire de l'eau à l'envers, la tête penchée en avant. Ça a marché? Remède numéro 8, respirer l'odeur du poivre. On aura vraiment tout essayé. Ça y est, c'est fini. Georges a des rayons qui sortent des yeux. Bravo, Caro. C'est ça que tu mimais tout à l'heure? C'est Georges qui t'a donné le hoquet? T'en fais pas, mon Bill, on va te guérir. On peut peut-être inverser les rayons de Georges. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Faut pas qu'il croise d'autres chiens. Faire semblant de dormir comme si de rien n'était. Caporal, qu'est-ce qui te prend de me canarder? Qu'est-ce que tu as fait de Georges? Mais où est-ce qu'il est passé? Je n'ai plus qu'à compter sur mon 6e sens d'agent secret. C'est le Bill, c'est le Caro. Si tu vois Georges, sauve-toi. Il envoie un rayon qui donne le hoquet au chien. Il a même plus besoin de ses rayons pour nous contaminer, c'est de pire en pire. Pourquoi Ming a le hoquet aussi? Bizarre. Caro, dépêche-toi! J'arrive! Nom d'un petit bonhomme, leur voilà! Bouche grogneuse, des chiens errants! Hé, ramenez! Oh non, pas lui! Hey, stop! Par là! Petit, petit! Bill et Ming sont en danger! Mais oui! Caro, j'ai une idée! Petit, petit, petit! Merci, Caro. J'ai la tête qui tourne. Georges! Vous n'avez pas vu un robot nain de jardin qui fait comme ça? Blip, tralala et tout, tralala et tout. Moi, je l'ai vu par là. On le tient. Ouais, enfin, youhou. Il doit bien y avoir un rayon inversé.
mon hockey est passé. Mais le mien aussi. Comment ça se fait qu'ils sont guéris? Il n'y a pas eu de rayon. Ah là là, et tout Georges. Oh, mon Georges. C'est super que vous soyez guéri, mais je comprends pas comment vous avez fait. Et si on demandait à un expert? Elle est malade, lui, un expert? Bien sûr que je sais ça. Les chiens attrapent le hockey quand ils ont un choc, et le hockey passe quand ils se calment. On a attrapé le hockey quand on a eu la trouille de Georges, et c'est parti tout seul parce qu'on était content de l'avoir coincé. J'espère que je n'ai pas trop déréglé Georges en tripotant les boutons. Si c'est pas des rayons à hockey, c'est des rayons à quoi alors? Je suis contente de t'avoir retrouvé, mon Georges. Toi, mange tes carottes bouillies. Tu es privé de croquettes. Mais c'est Bill qui... Qui a déréglé les rayons de Georges? Depuis quand c'est son canapé? J'y passe 20 heures par jour, c'est mon canapé. Cette fois, Caporal, c'est la punition. Tu es trop gâté. Je sème du bonheur et je récolte quoi en retour? Le droit de me caresser. Je sors faire quelques courses. En attendant, si tu as faim, tu devras trouver tes croquettes toi-même. Et tu es privé de câlin. Quoi? C'est toi qui tiendras pas 2 heures sans câlin. Et les croquettes, tu me les serviras dans ma gamelle, sur mon canapé, tranquille, Peter. Bill, t'as vu ça? Oh oui. Tu paries combien que j'en fais des confettis en moins de 3 secondes? Hé, c'est pas du jeu ça. Oh, c'est un petit mot pour la fête des mères. C'est super bien écrit. Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. C'est trop mignon. Il faut retrouver l'auteur de cette lettre. Une lettre comme celle-ci, ça doit pas finir par terre. Tiens, Bill, cherche. Hé, Axel, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Bill, non! J'en connais un qui va faire un petit bisou au trottoir. Ça va, Axel? Oh, il est pas bien, ton chien. T'aurais dû voir ça, je lui ai fait une prise entre la balayette et le plaquage. Une plaquaillette. Du calme, elle est à toi cette lettre? Bien sûr que non, je t'ai entendu la lire tout à l'heure. J'ai une tête à écrire des trucs de bébé, moi, sérieux. Tu peux me dire pourquoi tu me l'as piqué alors si elle est pas à toi? Quoi, on n'a plus le droit de rigoler? Ça t'a fait courir au moins. Merci Noisette. Noisette? Tu me la rends ou... t'as bugué? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes devenu zinzin ou quoi? Mais... mais donne! Tu as bien compris, Georges. Plus personne ne rentre dans la maison, et surtout pas Caporal. Il est banni pour la journée, punition nécessaire. Tu es le seul gardien en mon absence. Patapoutou-poutou. Pas de patapoutou-poutou pour les voyous qui détruisent des canapés. Excuse-moi, tarte au clou, mais c'est ma maison. Je suis VIP, tu peux me laisser rentrer. Oh. Ah, il veut se la jouer têtu, chapeau pointu. Très bien, on va voir qui est le seigneur des lieux. Parole de caporal. Vous allez m'expliquer ce qui se passe avec cette lettre? D'abord, Axel me l'arrache des mains, et puis toi, ensuite, Noisette, t'essaies de me la piquer aussi. C'est quoi le truc? Désolée, Boule, mais j'ai pas pu résister. C'est à cause de Lapin Pillon. J'adore ce personnage sur l'enveloppe. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il est trop mignon. C'est juste un lapin avec un nœud papillon. Et toi, Axel, pourquoi tu me l'as arraché des mains? Pareil, c'est comme Noisette pour l'enveloppe. En fait, je collectionne les enveloppes. Ouais, c'est ça. Non, stop. Cette lettre appartient à un enfant qui s'est donné beaucoup de mal pour bien écrire un petit mot.
qu'il a glissé dans une belle enveloppe. Alors nous, on devrait essayer de lui rendre. Oui, ouais, tu as raison. Ça va pas être facile. Il n'y a pas beaucoup d'indices et le petit mot n'est pas signé. Je sais. Et si on donnait la lettre à la police? Ah ouais, trop classe. Les plus grands policiers en train d'enquêter pour trouver l'auteur d'un poème pour sa maman. Vous savez, même les plus grands policiers peuvent se casser le nez sur une enquête hyper difficile. C'est pas dit qu'ils retrouvent le propriétaire. Attention, la lettre va s'envoler. La voilà. Alors, tu l'as retrouvée? Non, je la vois nulle part. La poisse. Aide-moi, Bill. Tu cherches pas? Si, bien sûr. Et toi, tu cherches pas? Si, mais j'ai pas ta technique, alors je te regarde pour savoir comment il faut faire. Eh ben, c'est simple, pour trouver quelque chose, on fait comme ça. Tu crois qu'elle s'est envolée aussi loin? Ah oui, enfin non. Où a-t-elle pu tomber? On devrait rejoindre Bully Bill, ils ont peut-être retrouvé la lettre. Ils nous auraient déjà appelés, mais tu as raison, allons-y. On sait jamais avec cette lettre. Tu viens ou pas? Tu trouves pas ça louche que Noisette et Axel veuillent récupérer à tout prix cette enveloppe? Oui, je vois pas bien l'intérêt de récupérer un bout de papier qui ne se mange pas, alors que là, il y a plein de bonnes choses à manger. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je crois que... T'as perdu quelque chose? Non, c'est juste que ça me gratte là. C'est ça, oh, j'ai peut-être attrapé des puces. Des puces? Stop! Si c'est à cause de cette lettre qu'on attrape des puces, il faut arrêter tout de suite les recherches. Je crois qu'on la retrouvera jamais, c'est nul. Oh non! Du cœur. Oh, génial! Eh, regardez ça! Bill a retrouvé la lettre! T'es un champion! Ouais! C'est super! Super, Bill! Merci, Bill! La porte sératique! La fenêtre sératique! Il reste la cheminée! Hey, oh! Pousse! Arrête! Loupé! Pour la suite de la visite, suivez les flèches! Pouf, t'aurais pas perdu cette lettre par hasard? Je sais pas, elle parle de quoi? Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête maman chérie. Waouh, il est stylé ce poème. Mais c'est pas à moi. Si tu sais pas quoi en faire, je veux bien l'enveloppe et le petit mot. Mais moi aussi je les veux. Et moi pareil. Bon, ça suffit maintenant. J'ai une idée. Bill, concentre-toi, renifle. Trouve l'odeur la plus ancienne, celle de l'auteur. Zut, j'ai oublié que je devais récupérer Rocket pour le sortir. J'y vais, hein, salut. Allez, vas-y, Bill, cherche. Bon, je la trouve complètement embrouillée, il y a trop d'odeur. Arrête, tu me chatouilles. Mais oui, je suis bête. Comme on l'a tous touchée, elle a un peu de notre odeur à chacun. C'était bien essayé, Boule, mais je crois que c'est raté. On saura jamais à qui appartenait cette lettre. Dommage.
Bon bah tiens Noisette, t'as qu'à prendre l'enveloppe avec le dessin de lapin pillon qui te plaisait. Et pouf, je te donne le poème. Ouais, ouais, merci vous, t'es trop sympa. Rester fâché toute la vie pour quelques éraflures sur mon canapé. La prochaine fois, je dessinerai un cœur avec mes griffes. Bon. Mais oui. C'est hyper frustrant. On veut faire une bonne action et c'est pas possible. C'est pas grave, t'as fait des heureux. Bon, sauf Axel. Tiens, quand on parle du loup. T'es pas avec ton chien? Non, en fait, il faut que je te dise un truc. La lettre, enfin le petit mot. En fait, c'est moi qui l'ai écrit pour ma maman. Si tu me dis ça pour récupérer la lettre, c'est trop tard. Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. Tu vois? Non, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début, quand on était dans le parc? Moi, maintenant, j'ai donné l'enveloppe à Noisette et le petit mot à Pouf. J'ai rien dit parce que j'avais peur que vous vous moquiez de moi, que vous trouviez ça bébé. Mais pas du tout. Ton petit mot est super mignon, comme le lapin pillon. Et si ça t'ennuie pas, je vais écrire exactement le même pour ma maman. Avec Pouf, t'as déjà deux admirateurs qui vont réciter ton poème. Si tu veux être original, à mon avis, t'as intérêt à en inventer un nouveau. Merci Boule, t'as raison. Je vais en écrire un nouveau pour ma maman. Ces histoires de petits mots pour la fête des mères, c'est bien compliqué. Alors que une bonne petite léchouille, ça suffit pour faire plaisir, non? Oui, ça vaut toutes les lettres. Un gros cœur? Mon chaton d'amour, c'est pour moi! Tu as trouvé tes croquettes tout seul et au lieu de les manger, tu as pensé à ta maîtresse! Toi, tu sais comment te faire pardonner, hein? Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison, retrouver mon canapé! Il est drôlement réussi! Merci, Caro. J'y ai passé la journée. Et toi, tu offres quoi à maman? Et toi, mon chéri, tu m'as écrit quelque chose? Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. Oh. C'est rigolo, ça me rappelle quelque chose. Chut. Et Bill effectue un dribble magistral sous les applaudissements de la foule en délire. Tu peux toujours essayer de me déconcentrer, mais ce ballon ne passera jamais, Bill. Hey, c'est de la triche. Double corner, triple faute. Aïe. Ouf. Tu trouves ça drôle, caporal? Désolée, madame Stick, on ne voulait pas vous viser. On fera plus attention, promis. Ceci est une propriété privée. Mais, et mon ballon, alors? Ah ben ça, mon petit, il fallait y penser avant d'essayer de m'assommer avec. Allez, hop! Allez, viens, Bill, on rentre. Un cocker digne de ce nom ne repart jamais sans sa baballe. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Bill! Madame Stick! Double faute! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre sale cabot qui m'a fait trébucher. Voilà ce qui s'est passé. Papa, maman, Bill n'a rien fait de mal, il voulait récupérer mon ballon que Madame Stick m'a confisqué. Aïe, je crois que je me suis tordu la cheville en tombant. Comédie, Boule, arrête un peu. Allez, agrippez-vous à moi, Madame Stick.
Waouh! Et l'Oscar de la pire comédienne revient à Madame Stick. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non. Bon, et vous connaissez quelqu'un pour vous aider le temps que votre cheville aille mieux? Oui, je pensais à ces deux énergumènes. Ça les occupera au lieu de faire des bêtises. Mais c'est pas juste! Ça suffit. Boule, Bill, vous allez veiller sur Madame Stick tous les deux. Mais maman! Je compte sur vous pour faire tout ce qu'elle vous demandera, c'est bien compris? Ouais, d'accord, maman. Bon, on a terminé de ramasser toutes les feuilles mortes du jardin. Si vous avez besoin de nous, on sera de l'autre côté. Ah! Ma gorge est toute sèche. Vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau? Et voilà. Ah! Cette eau est un peu tiède. Allez, viens, Bill. On va chercher des glaçons. Et un bol de glaçons, hein? Esclave, quand tu auras fini, tu pourras venir me limer les griffes et me faire un petit massage. Brrr, toi, tu perds rien pour attendre. Ah. Ah. J'ai un petit creux, moi. Oh! Il serait tellement meilleur si tu allais les réchauffer pendant 25 secondes au micro-ondes. D'accord, Madame Stick. Comment elle abuse? Tout ça pour un petit bobo de rien du tout. Minute boule, ça manque d'une touche personnelle. Excellent et dégoûtant. Dites donc, au lieu de ricaner comme des idiots, si vous alliez plutôt me chercher une couverture sur l'armoire du salon. Allez plus vite que ça, sinon je passe un coup de fil à tes parents. Oui, Madame Stick. Quelle idée d'aller ranger une couverture aussi haut! Ah, voilà, je l'ai trouvé. Oh, merci, Bill, j'ai frôlé l'accident. Waouh, un passage secret comme dans les films, trop cool. Arrête de gigoter, tu veux? Je vous tiens. C'est trop fort! Si ça se trouve, Madame Stick est un agent secret. Regardez! Il y a même un mini sous-marin! Ça alors? C'est Georges! Alors fais-moi le malin quand on n'a plus de batterie, hein? Coucher le robot! J'ai dit coucher! Alors, tu t'es fait un nouveau copain, Bill? Waouh! Vous avez vu les copains? Je me demande bien à quoi peut servir ce grand bouton. Non, mais j'hallucine, elle fait semblant. C'est quoi cette boîte carrée? On dirait un coffre-fort. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. On va vite le savoir. Raté, c'est fermé. Il doit y avoir un truc ultra top secret dedans. Zut, faut qu'on y retourne avant qu'elle se doute de quelque chose. Regardez, un ascenseur! On y va? Trop bien! Tu parles, il n'y avait même pas de musique! Oh. Tu en as mis du temps! Je m'apprêtais à appeler tes parents!
C'est que... elle n'était pas super facile à escalader, cette armoire. Ouf, on a eu chaud. Elle s'est endormie. Allons chercher la clé. Caro, c'est comme ça que tu nous aides à chercher la clé? Bah oui, il faut bien quelqu'un pour la chercher au cœur de cette salade, non? J'ai fouillé partout dans la maison, rien du tout. Et toi alors, Bill? T'as trouvé quelque chose? Mais où est-ce qu'elle a bien pu cacher cette clé? C'est bon, on peut y aller. À nous les secrets de Madame Stig. Oh, ce n'est que toi, mon petit caporal. Tu veux des caresses? La clé! Où est passée la clé? Où sont passés Boule et Bill? Je suis sûre qu'ils préparent encore un sale coup. On a de la compagnie. Vite, cachons-nous. Alors, on veut jouer à cache-cache à ce que je vois. Nous entendre. Zut, elle les a repérés. C'est ça le secret de Madame Stig? C'est un disque. Joyeux chaton. Mais c'est... Madame Stig! Rendez-moi ça! J'étais jeune et naïve. Je n'aurais jamais dû enregistrer cette chanson stupide. Et personne ne doit savoir que c'était moi. Personne. Allez maintenant du balai. Rentrez chez vous. Et que je ne vous y reprenne plus à traîner dans mon sous-sol. Cette fois, vous l'avez vraiment cherché. Oh non, c'est vraiment pas de chance. Alors, mes joyeux chatons, on joue à quoi maintenant? Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. C'est fou les vieux tubes ringards qu'on peut trouver sur internet maintenant, pas vrai? Le voilà à ton ballon. Merci Madame Stig. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton. C'est parti pour la course du siècle. Rapide, doublé. T'as de la
Je vous signale que pendant la course du siècle, il y en a qui font la sieste du jour. La sieste du jour va être courte. Bonjour, Madame Stick. Voilà votre commande de sushi. Ça sent le poisson pourri. Vous voulez m'empoisonner? Pas du tout. Déjà que la boulangère m'a vendu exprès du pain rassis ce matin. Oh, j'ai compris. Tout le monde est ligué contre moi. Bye bye. Bill, ça va? Hein? Tu m'attraperas pas, saucisse. Le cabot aussi est contre nous. Change. Donne un coup de rayon paralysant à cet idiot d'animal. Oh, mais non! L'animal idiot, c'était Bill, pas Caporal! Je vais m'occuper de ce cabot, Caporal! Une fois que je l'aurai hypnotisé, il sera docile comme un caniche. Eh ben, mon Bill, tu l'as échappé belle. Des fois, Madame Stick n'est vraiment pas cool avec toi. Gentil toutou, gentil toutou. Tu es un gentil toutou, je te l'ordonne. Ne regarde pas, Bill. C'est des lunettes hypnotisantes. Tu ne m'échapperas pas. Je vais t'hypnotiser, gentil toutou. Gentil toutou. Tu es un gentil toutou. Toutou. On n'entend plus rien. Vous croyez qu'elle est partie? Faites gaffe. C'est peut-être une ruse pour nous faire sortir. Madame Stick, vous allez bien? Je crois pas, on dirait. Mais si, copain, qu'est-ce que tu racontes? Ça va très bien. Elle comprend les animaux. Et je vais enfin pouvoir vous dire tout ce que je pense de vous. Madame Stick, s'il vous plaît, dites quelque chose. Coucou les gentils garçons. Par aboyer comme un chien, on dirait qu'elle sait plus parler. Tu entends, Bill? Les humains ne comprennent pas ce qu'elle dit. C'est plus vraiment Madame Stick, en fait. Ben, c'est qui, alors? Oh, j'ai compris. Madame Stick s'est hypnotisée toute seule en se voyant dans la vitre. Attends, tu veux dire qu'elle se prend pour un gentil toutou? Un gentil toutou? Ça, c'est trop cool. Mais on va la rendre comme avant en utilisant ses lunettes. Zut, elle en a fait quoi? Bill, aide-nous! Ah ouais, sans les lunettes, c'est râpé, hein. Bill, tu fais semblant de chercher? Bah oui, il faut pas trouver les lunettes trop vite. C'est pas souvent que notre voisine est aussi sympatoche. T'es mignon, comment tu t'appelles? Laisse tomber pour les lunettes, y a qu'à chercher sur... sur internet. Bonne idée, Pouf. Bill, Caro, vous restez avec Madame Stick, ok? On revient dès qu'on a trouvé un truc. Oh bah non. Pourquoi ils s'en vont, les petits humains? Ils veulent vous retransformer en humaine désagréable. Mais non! Je suis un gentil toutou, moi! Je suis peut-être gentil, mais je ne me laisserai pas faire. Oui, mais... attendez! Stop! Thank you.
l'hypnose. Ah! Comment sortir d'un état hypnotique? Ça y est, on a trouvé une solution. Hein? Ben mince, ils sont passés où? Je donne un os à moelle, mais je te refile toutes mes puces. La voisine de Bill, qu'est-ce que tu lui prends? Bonjour les copains. Bonjour ma... Elle parle le chien. Je viens d'échapper à des vilains humains. Maintenant j'ai faim, vous auriez pas un os à partager? Si, ils sont enterrés là. J'en tiens. Tu crois qu'elle fait semblant ou elle se prend vraiment pour un chien? Ah bah c'est un peigne. Ah c'est pas de chance. Regarde les deux humains, copine. Eux c'est des gentils, ils te donneront à manger. Surtout si tu fais des tours de dressage. Merci du tuyau, copain. Soit elle arrête ses idioties pour pas se payer la honte, soit elle est complètement marteau. Ils sont ce matin. Vous me donnez à manger. Option B, elle est complètement marteau. Madame Stick, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle agonise, je lui ai vraiment livré des sushis avariés. Ça sent l'os. Mais rendez tout de suite cet os de dinosaure. Elle est marteau, mais elle est cool. Buffet de sa volonté. Aide-nous les dinosaures. Ah non, pas la collection. Non, 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 ne touchez pas à ça. J'ai comme l'impression de m'être fait écrabouiller par un éléphant. Mon pauvre Bill. Il va peut-être falloir qu'on aille voir le vétérinaire. Pour Bill ou pour Madame Stick? Oh! La voilà! Mais elle va se casser les dents! Hé! Restez là, Madame Stick, on va aller chercher le vétérinaire! Madame Stick! Non! Pas le vétérinaire! Revenez, Madame Stick! Bonjour, Madame Stick! Ok, Madame Stick, ok! Madame Stick, au pied! Vilain chien, vilain! Die! Miam, miam, Madame Stick! Madame Stick! Vous allez vous attirer des ennuis! Le premier qui essaie de me transformer en humain, je le mords. Aux pieds, gentil toutou. J'ai une idée. Si c'est un vrai gentil toutou, elle ne peut pas résister à ça. Hé, Madame Stick, regardez le beau bâton. Bien joué, mon Bill. Tu m'auras pas, Bill. Qu'est-ce que je fais là? Toi et ton fichu rayon paralysant. C'était un piège. Sage, Madame Stick. Sage. Croyez-moi, je vous préfère vraiment en gentil toutou. Mais vous pouvez pas du tout rester comme ça. Non mais je rêve. Sur internet, ils disent de casser l'hypnose par un bruit fort et soudain. Ça n'a pas marché. Elle se prend pour un chien. Ça lui apprendra avec son âne jardin tout neuneux. Ah, qu'est-ce qu'elle a l'air stupide. C'est toi qui me traites de stupide, Matou. Hein? Depuis quand elle comprend ce que je dis? En même temps, il y a quand même des bons côtés aussi avec Madame Stick en chien. Tu as de la chance que je sois un gentil toutou. Il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut appeler la police. La police? Vous ne croyez pas que c'est un peu fort? C'est Madame Stick quand même. Ah, peut-être le vétérinaire. Ah oui, vous avez raison, le vétérinaire, oui. Hé hey, les gars, le gardien du musée et le livreur de sushis rapique avec la boulangère. Il est temps de montrer le flair d'un vrai chien.
Et voilà. Bravo, Bill. Allez, on n'a plus beaucoup de temps pour guérir Madame Stick. Au revoir, gentil toutou. Tu vas me manquer. Gentil toutou. Tu es Madame Stick, je te l'ordonne. Porc. Dire que j'ai mis un vieil os pourri dans ma bouche. Pas de doute, c'est bien elle. Peut-être qu'on peut appeler le gardien de la fourrière. Et puis quoi encore? Madame Stick, vous allez mieux? Mais j'ai toujours été bien. Elle faisait semblant d'être un chien pour une caméra cachée de la télé. Combien je vous dois pour la baguette? Oh bah si c'est pour la télé, rien, c'est gratuit. Je le savais depuis le début que c'était bidon. Merci de m'avoir aidé, les enfants. Je me souviens de tout, vous savez. Tout le monde a été gentil avec moi. Sauf un. Caporal, tu es un tapis en poil de chameau. Je te l'ordonne. Pourvu qu'elle ne passe pas devant une fenêtre. Non, mais vous avez entendu ça? On dirait Madame Stick. Si c'est la voisine, c'est pas grave. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à Caporal. Ah, si c'est le matou qui a des problèmes, ça change tout. Là, ça m'intéresse. Tu n'as pas honte de toi, Bill? Ça va, c'est une blague. Enfin, plus ou moins. J'en ai partout. J'en ai un là, j'en ai un autre là et encore un autre ici. C'est une catastrophe. Mais oui, c'est certainement rien de grave. On dirait une grosse framboise. Mais si, c'est très grave. Vous imaginez si mon pauvre caporal attrapait ça? Hors de question, je vais passer la nuit à l'hôpital, ce sera plus sûr. Pauvre Madame Stick, c'est vrai qu'un peu de repos lui fera du bien. Et ça nous fera des vacances. En attendant mon retour, je compte sur vous pour garder mon caporal. Aucun problème. À votre service, Madame Stick. À demain. Ça va? Oh, non, mais c'est quoi cette blague? Moi aussi, je suis persuadée que Madame Stick n'a rien de grave, mais on ne peut quand même pas la laisser tomber. C'est vrai. Entre voisins, nous devons nous soutenir. Mais... Oh, puisque tu t'occupes bien des animaux, c'est toi qui vas prendre soin de Caporal, d'accord? T'inquiète pas, Bill. C'est pas grave. Si tu veux, on pourra jouer plein de tours à Caporal. Et surtout qu'il n'arrive rien à son chat. Elle nous rendrait la vie impossible. Enfin, encore plus impossible que maintenant. C'est bien compris tout le monde. Caporal est notre invité aujourd'hui. Ou alors, tu sais, on peut toujours l'ignorer et jouer de notre côté. Alors, fiston, comment ça se passe? Ça va. Caporal était très calme, alors je l'ai sorti de sa cage. Depuis, il n'a pas bougé d'un poil. Allez, viens, on va jouer dehors. Allez, s'il te plaît, Bill. Je le laisserai pas seul ici. Boudou, boudou, boudou. C'est un beau menu, ça, hein? Ben, moi qui pensais que tu étais un vilain chat. Quelle bonne surprise. J'y crois pas, et moi alors? T'inquiète, je suis sûre qu'il fera pas de bêtises. Viens, on va jouer dehors. T'as raison, Macaro, il est trop lèche-botte pour faire quoi que ce soit. Tu ne vas pas jouer avec eux? Ça me prend la tête. À boire, vite! T'as tout bu! Oups! Tu nous as même pas laissé une goutte! Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, hey, oh, regarde! Hein? Caporal a bu toute l'eau de ma gamelle! Arrête d'aboyer, Bill! Papa et maman vont s'énerver si tu continues à faire autant de bruit! Mais c'est pas ma faute. Mmh.
Oh. Tu peux toujours boire au robinet? Bill, arrête de faire l'imbécile. Je sais que c'est dur pour toi d'avoir Caporal à la maison, mais c'est seulement pour quelques heures. Ouais, c'est ça, miaule toujours. Cette fois, rien ne me fera sortir de mon panier. Je crois que Caporal aimerait bien dormir dans le panier, lui aussi, plutôt que par terre. On peut pas, c'est complet. Vous pouvez pas lui faire une petite place? Quoi? Et puis quoi encore? Tu veux pas qu'on lui laisse le panier à lui tout seul tant qu'on y est? Vous voyez? Il veut juste vous faire un câlin. Caporal! Ça suffit, Bill. Sois gentil un peu. Allez, sors du panier. Oh, arrête! Tu me chatouilles! Oh, Bill, tu sais que tu n'as pas le droit de monter sur le divan. Oh. Maintenant, tu n'as plus aucun droit dans cette maison. Désormais, ces idiots m'obéissent à l'œil et à la patte. Qu'est-ce que tu lui racontes comme ça? Je dis juste que tu es bête comme tes pieds. Caporal, cette fois, tu vas beaucoup trop loin. Poulet du chef. Regardez-moi ça. Mon plat préféré. Oui, quand il n'est pas brûlé. Tiens, tiens, il veut manger un peu de pâté pour chien, le minou. Mais j'ai rien fait du tout, je le jure. Oh non, on a oublié de donner à manger à Caporal. Madame Stick ne nous a pas laissé de nourriture. Tu penses qu'il aime le poulet? Tiens, mon chat. Délicieux, franchement, Bill, tu devrais goûter. Non, Bill. C'est vrai, il est pas mal, ce poulet. Pas mal, c'est tout. Sans commentaire. Bill, arrête ça tout de suite. On ne peut pas garder Bill et Caporal sous le même toit cette nuit. Ça va être ingérable. Mais Bill, comme toi. Je crois que je vais enfin récupérer ma place à la maison. Mais on ne peut pas mettre Caporal dehors. Surtout qu'il n'a rien fait de mal. Tu as raison. Bull, tu veux bien mettre Bill dans sa niche pour la nuit? Hein? Mais c'est Caporal qui... Laisse tomber, Caroline, ça sert à rien, on n'est plus chez soi. Il est hors de question que je te laisse aller dormir tout seul, Bill. Je vais venir avec toi. Bonne nuit. Oh. Les amis. Désolée, Bill, mais c'est ta faute si tu dois passer la nuit dehors. Il faut qu'on lui explique ce qui s'est passé. T'as raison. Je vais imiter Caporal. Hein? Miaou! 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 Qu'est-ce que tu fabriques, Bill? Tu t'es pris pour Caporal ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Miaou! Miaou! Tada! Ça y est, j'ai compris. Caporal s'est amusé à te jouer des tours dans notre dos. C'est pas vrai, j'aurais dû m'en douter. Je suis vraiment désolée, Bill. J'aurais dû m'en rendre compte. Et moi. Ça vous dirait d'aller donner une petite leçon à Caporal? Ouais. Gentil minou, c'est qui le plus mignon des Caporals du monde entier? Youhou, Capo!
Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces deux-là? On va dormir chez toi. Non! C'est l'heure de se coucher maintenant. Qui c'est qui va faire un gros dodo et être très sage? Non! Ma maison! Oh, partez chez moi! C'est bon, il y croit. Me sortais-tu, moi? J'espère que toi aussi, Caporal. Ah, Caporal, si tu savais ce qu'on s'est amusé chez toi cette nuit. Ah. En plus, j'ai trouvé d'excellentes croquettes. Non, pas mes croquettes. Et puis j'ai trouvé plein de jouets pour chat à déchiqueter. Désolée, j'ai bavé dessus. Pas mes doudous. Et comme je savais pas où faire pipi, j'ai fini par faire dans ton panier. J'ai eu raison ou pas? Bonjour, bien le bonjour, voisin. Madame Stick, vous avez l'air très, très en forme. Et cette nuit à l'hôpital, alors? Ah oui, c'est vrai, l'hôpital. Je n'y ai passé que 10 minutes, à vrai dire. C'était des boutons de stress, rien de grave. Mais bon, faut dire que ce n'est pas facile d'avoir des voisins comme vous. Mais oui. Enfin bref, comme vous gardiez Caporal, je suis allée me détendre à l'hôtel Hawaï. Massage, piscine à bulles, bain de boue, danse hawaïenne. Ça m'a fait énormément de bien. Oh, je reconnais mon Caporal bien élevé comme tout. Pas comme d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Enfin, il est parti. Oh, viens dans ton panier jouer avec tes doudous. Et comme je savais pas où faire pipi, j'ai fini par faire dans ton panier. Doucement, Caporal! Pourquoi tu n'es pas aussi sage que tes boules? Oh! 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 Le chien qui va sortir, regarde. Dans sa toute nouvelle aventure, Max le chien doit délivrer un message très urgent à l'agent secret 003. Hein? J'ai vraiment hâte de voir ça. Je te parie que Bill peut le faire aussi. Tu rigoles. Dans la vraie vie, les chiens sont pas comme Max. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ses devoirs? Et voilà. Agent Noisette 002, rendez-vous au parc à 3h cet après-midi. Dis-moi si tu seras présente, signé Agent Boule 001. Bill, apporte ça à Noisette et ramène sa réponse, ok? Trop fastoche. Bon chien, allez, go, go, go. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, on verra bien. Noisette n'habite pas très loin d'ici. Bill devrait revenir dans 10 minutes maximum. C'est quoi ce truc dans ta gueule? Tu manges du papier maintenant? Mais non! C'est un message secret pour Noisette. T'es sérieux? C'est trop nul. Viens, on va au parc. Oh non, la fourrière. Nom d'une croquette, le message. Je le tenais presque. J'y arrive, attends-moi. Regarde, le voilà.
Hein? Pluche, suis-moi. Ça sert à rien de courir, on le rattrapera jamais. C'est pas grave, Bill. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre l'odeur des sushis. Bien vu. Bon, bah ça y est, ça fait 10 minutes que Bill est parti et je vois pas le bout de sa truffe. Oh, t'inquiète, je suis sûre qu'il va pas tarder. Ouais, ouais, si tu le dis. On s'approche des sushis. L'odeur est de plus en plus forte. Miam, miam. Hein? Oh, il est là. Quoi? Où ça? Ah oui, là. Le message, vite. Ça devient de plus en plus ouf. Mais on fait quoi maintenant? On suit discrètement le message secret. Il finira bien par se décoller. Laisse tomber, Boule, il reviendra pas. Peut-être que Noisette lui a donné à manger et ça l'a retardé. Mais non, il a dû partir en vadrouille avec un de ses copains. Bon ben, il n'y a qu'une façon de le savoir, on va chez Noisette. T'es vraiment têtu comme une mule. Le message ne s'est toujours pas décollé. En plus, il avance comme un escargot. Oh, il nous fait perdre un temps fou. Changement de tactique. Oh, bonjour, Bill. Moi aussi, je suis content de te voir. Il y a quelque chose par terre? Ah, bravo, Bill. T'es un chien très écologique. Eh oui, il y a parfois des gens pas très propres qui jettent des papiers par terre. Mais... qu'est-ce qu'il fabrique? Non. Et voilà, problème réglé. Au revoir, Bill, et merci. Vas-y, Bill, on y est presque, on va pas abandonner. Ah, la poisse, j'y suis coincé. Ah ouais, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Y a des jours comme ça. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je vais essayer. Hey, salut la mésange. Tu pourrais pas m'attraper le bout de papier dans cette poubelle? Génial! Merci! C'est l'heure du goûter, on dirait. Attention derrière toi! Pluche, débarrasse-nous de lui! Hey, non, attends! Attends, reviens! Alors, on abandonne déjà, gros balou? Et reviens, donne-moi le message. Intéressant, on dirait que Bill tient énormément à ce petit bout de papier. Allez, rends-moi mon message. Oh, c'est pas possible. Reviens, s'il te plaît. Bon bah, elle est pas là. Mais oui, ça doit être pour ça que Bill n'est pas revenu. Comment ça? C'est logique, il a dû partir à sa recherche. Pourquoi tu veux pas admettre que t'as perdu ton pari? Allez, rends-moi ce message, s'il te plaît. Roquette! Roquette! Salut Axel. Hé les gars, vous auriez pas vu Roquette par hasard? Non, désolé. Oh, je crois qu'il a fugué. Ah bon? Oui, je l'ai grondé parce qu'il farfouillait dans une poubelle. Ça l'a vexé et il s'est enfui. Il est peut-être allé au parc. T'as raison, je vais aller voir.
Maintenant, t'es plus en danger. Allez. Oh, reviens. C'est ma faute. J'ai mal surveillé Caporal. C'est la galère. Elle m'écoute pas. Cet imbécile de Caporal l'a vraiment effrayée. Oh, c'est pas vrai. Ok, tu fais diversion et moi je m'occupe de la mésange. On pourrait pas changer? C'est toujours moi qui fais diversion. Non. Ok. Belle journée, hein? Le chien, on bouge plus! Stop! T'es en état d'arrestation! Quoi? Roquette? Oh la honte! Moi, Roquette, je me fais embarquer par la fourrière. C'est vraiment le pire jour de ma vie. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Tu ne risques plus rien. Tu peux descendre là. Merci. Elle est complètement ouf, cette mésange. Lika, faut y aller. Vous perdez rien pour attendre, je vous aurai. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et c'est une longue histoire. Salut Bill, salut les chiens. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un message de Bull. Merci Bill. Je reviens tout de suite, je vais écrire une réponse. Et voilà le travail, mission accomplie. On est les meilleurs. Tiens. Je serai bien au parc à 3h cet après-midi. Reviens, Caporal! Bill n'est toujours pas là, t'as perdu ton pari. Oui, cette fois, je crois que t'as raison. Donne-moi ce message, Caporal, ou ça va barder pour toi. C'est quoi ce refus? Laissez mon pauvre minou tranquille, espèce de sale cabot. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? Agent Noisette 003, agent Boule 001, je serai au parc à 3h cet après-midi. C'est un genre de code secret, c'est ça? Non, c'est pour moi. Un message secret. Oh, ça me rappelle le bon vieux temps. Merci, Madame Stick. Désolée de vous avoir dérangé. Venez, les copains. Regarde, Noisette a répondu. Bill a accompli sa mission. Oui, on dirait bien, mais il a mis beaucoup plus longtemps que prévu. Parce que c'est la vraie vie. Ah. Il est 3h. Vite, faut qu'on aille au parc. Roquette! 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 Oh, Roquette! Roquette! Tu m'as fait une de ces peurs. Désolée de t'avoir grondée tout à l'heure. Non seulement Bill a été un super messager, mais il a retrouvé Roquette en plus. Ouais, mais tu serais jamais arrivé sans moi. Ça, c'est clair. On forme un super tandem. On n'est pas bien, là. Paisible, à la fraîche. Décontracté des oreilles. Ça fait déjà 2 mois. Ça ne peut plus durer. On doit être fort, chérie. Tu as raison. Je prépare le bain de Bill. Oh, mais comment on va l'attraper? Suis-moi. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Suis-moi. Mmh.
Attrapons-le. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah quoi? Oh, on est bien ici, tu trouves pas? Oh, allez, Bill, ne fais pas ton chiot. Tu dois prendre ton bain. Mon bain? Jamais! Non. Vous voulez forcer Bill à prendre un bain? Bon courage! Bill, tu vas pas rester là-haut pour toujours? Et pourquoi pas? Une heure qu'il est perché là-haut et pas moyen de l'attraper. À moins que... Oui, alors, agent secret Bull, voici votre mission. Donnez le bain à l'agent Bill. Hein? Même pas en rêve. Chérie, tout le monde sait que tu es le seul à obtenir ce que tu veux de Bill. Oui, mais Bill m'écoute parce que je l'ai jamais trahi. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Bon, d'accord, je vais vous donner deux ou trois tuyaux pour attraper Bill. Mais il ne doit jamais savoir que ça vient de moi. Promis. Alors explique. Bon, le plus important, c'est de ne jamais le forcer. Vous avez déjà entendu parler d'hypnose? Tes oreilles sont lourdes. Tu as très envie de prendre un bain. Oh oui, un bon bain avec de la mousse. Plein de mousse. Plein de mousse. Et oui. Personne n'a jamais réussi à m'hypnotiser. Ben si. Ça va, Bill? Oh, t'es tout bizarre. Ouais, ouais, ça va, t'inquiète. À force de remuer son doigt de gauche à droite, elle a fini par me donner le mal de mer. Hypnose peut mieux faire. T'as une autre idée, Bull? Bill va bientôt avoir un petit creux. Alors voilà ce que tu peux faire. Une croquette verte, mes préférées. Et une autre. C'est magique. C'est la fête à la croquette. T'as vu, il y en a même dans l'escalier. Ça marche. Ça vient de la salle de bain. Oh, c'est un piège. Sauf tes beaux carreaux. J'ai l'impression qu'il avait un peu de savon sur la truffe, non? Non, je ne crois pas. Chérie, tu n'as pas une serviette propre pour moi, s'il te plaît? Bull, s'il te plaît, tu dois convaincre Bill de prendre un bain, juste pour cette fois. Bon, d'accord. J'ai peut-être une idée. C'est pas si mal comme nouvelle maison. Il y a des bancs, des jeux, des eaux pleins de musées et personne pour te forcer à prendre un bain. On est un peu plus serré. Et puis c'est vrai que tu sens pas très bon. Peut-être qu'un bain... Ah non, pas toi, Caro. Question de fierté canine. Et voilà. Ton idée, c'est de jouer au Twistos. Tu n'avais pas dit que tu avais un plan? Le Twistos, c'est le plan. Quand je demanderai à Bill de faire une partie, il acceptera tout de suite. Il est trop fort, il me bat toujours. Mais quand il sautera sur cette case, ça déclenchera... un piège à ressort. Ça a l'air super. Il n'y a plus qu'à convaincre Bill de revenir pour tomber dans ton piège. Bill, Bill. C'est un os du paléolithique. Prends-moi ça tout de suite. Non mais c'est pas vrai. Prends-moi ça. Tu tombes bien. On joue à saute par-dessus des obstacles de plus en plus grands. C'est Nolan qui a eu l'idée. Et l'épreuve ultime, c'est de sauter par-dessus la grande flaque de crottin. Ça, c'est mon idée. Tu veux tenter le coup avec nous? C'est sympa, les copains, mais je préfère jouer avec Bill. Enfin, si je le retrouve.
T'entends ça, Caro? Boule veut pas me donner un bain, il veut jouer avec moi. C'est vraiment un ami de Wouf, ça mérite un câlin. Oula, ne vous fatiguez pas, boule à la trouille. C'est un boule mouillé. Hé, les copains, et si on jouait au Twistos? Oh, j'adore le Twistos. En plus, je suis super fort. Ah, Bill, tu es là, je te cherchais partout. Oh là là, t'es tellement propre que ça fait mal aux yeux. Pourquoi tu m'as trahi, Boule? Nous étions complices pour la vie. Je pourrais plus jamais te faire confiance. Bill, non. Tu ne vas quand même pas attendre chaque fois d'être plus sale qu'une vieille poubelle pour prendre un bain. Bill! Bill! Je ne peux pas passer pour un traître. En fait, pour avoir envie de prendre un bain, il faudrait que Bill soit vraiment super méga sale. Bill, hein? Attends! Laisse tomber le Twistos. J'ai une bien meilleure idée pour s'éclater, regarde. Eh bien, Bill, c'est trop amusant de se rouler par terre. Mais tu vas te salir en jouant à ce truc. Ouais! Et les parents, ils voudront encore plus me donner un bain. Et viens, Caro, on va plutôt faire de la balançoire. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et si on testait le piège en attendant? Moi, très astucieux, c'est bien le fils de son père. Oh. Ah. Et plouf. Ah, vous êtes là. Bah oui, c'est tout de même plus rigolo que de jouer à la limace. Prête, Caro? Je suis sûre que t'es même pas capable de m'imiter. Je savais que Boule était parfois un peu secoué, mais là... Il est plus zinzin que son zinzin de chien. C'est trop drôle. Hé, hey, Boule, hein? Si c'est pour faire ça que tu nous lâches, c'est vraiment nul. Bah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Venez, les amis, on a une épreuve de bravoure à réussir. Revenez. Vous ne comprenez pas. Si je fais ça, c'est pour convaincre Bill de prendre un bain. L'excuse bidon. A plus, boule mouillée. Bah quoi, c'est vrai en plus. Toi, boule, hein? Mon meilleur ami, t'as essayé de me trahir. Non, Bibi, attends, non. Bon, c'est vrai, Boule a un peu rusé. Mais il a fait ça en ami pour que tu acceptes de prendre un bain sans y être forcé. C'est mon meilleur ami. Aucun meilleur ami ne ferait ça. Au contraire, seul un vrai meilleur ami se salirait exprès pour en aider un autre. T'as raison, Caro. En fait, Boule est un super copain. À mon tour de l'aider. Super, je suis tout crado. Bill n'a pas pris de bain et je passe pour un nul devant mes copains. T'inquiète, moi aussi je vais être crado. Bill, alors tu m'en veux plus? Bah en fait c'est vrai que je sens un peu le vieux matou là. Ok pour le bain. Boule passe toujours pour un nul devant ses copains. Pour ça, j'ai ma petite idée. Hein? T'es sûr de ton plan, Boule? Et c'est parti. En voiture, Caro. Hein? Je l'ai. Oh, joli tir, Nolan. Et alors, cette épreuve de bravoure? On a abandonné. Sauter au-dessus de la flaque, c'est juste impossible. T'entends ça, Bill? Ils ont la trouille. C'est qui les poules mouillées? Impossible n'est pas Boule et Bill. Mais vous allez vraiment essayer de sauter par-dessus la flaque? Allez, les amis! Oh.
vont le faire. Ils vont le faire. Bien dit que je ramènerai Bill pour le bain. Ça fait une heure qu'ils sont là-dedans. T'as vu un peu la tête des copains quand on a sauté? Et juste avant d'arriver à destination, plouf! Youhou! Faites-moi une petite place, les copains! Et bah, un bain, c'est plus drôle à plusieurs!